Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Merci Benjamin, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Grégory Chédin, je suis coordinateur du dispositif C2E à l'ADEME. Et effectivement, je vais vous introduire ce dispositif en vous le présentant et en espérant que après la présentation, il n'y a plus de secret pour vous sur ce dispositif. Donc je prends la main sur ma présentation. A priori, ça devrait venir. Je mets en grand écran. Voilà, j'espère que vous voyez. Oui, on voit bien. A priori, ok, parfait. Donc, alors, il y a des généralités. Je vais passer. Je vais plutôt m'apesantir sur sur un schéma qui va vraiment décrire en détail le dispositif pour que vous compreniez, alors, suivant votre niveau de connaissance, hein, mais. En tout cas, ce schéma permettra vraiment de comprendre les mécaniques profondes et les modes de production des C2E, les acteurs. Et puis après, je déroulerai la présentation sur des choses qui sont un peu plus concrètes pour vous en tant qu'acteur et sur l'utilisation des C2E et sur les voilà. Donc je commence. Alors, donc c'est un dispositif qui date de 2005. Qui a pour but de réaliser des économies d'énergie dans les différents secteurs, résidentiel, tertiaire, industrie, agriculture, réseau et transport. Alors, différentes périodes, par période normalement de 3 ans, mais la période 4, c'est 4 ans, l'État impose à des obligés, je vais revenir sur ce nom et ce qu'ils font, il impose de faire des obligations, donc un certain volume d'économies d'énergie qui sont leurs obligations, auprès de bénéficiaires. Et c'est bien les certificats d'économie d'énergie, ce nom, voilà, qui est l'unité de comptabilisation. Alors d'autres acteurs, et c'est là que c'est intéressant, qui ne sont pas obligés, mais qui peuvent bénéficier du dispositif sur le financement d'opérations. Voilà, ce sont les éligibles. Et éligibles obligés constituent bien les demandeurs. Il n'y a que eux qui peuvent demander des certificats avec les délégataires, mais je vais revenir justement sur les termes. Et il y a un marché, voilà, et les C2E, comme vous le savez, ont une valeur financière. Donc c'est ce schéma que je vais vous présenter, mais plutôt en détail, et sur le slide suivant. Donc celui-là, je vous le laisserai, vous l'aurez dans le slide, dans les slides qui vont vous être donnés. Alors, vous avez sur la gauche le ministère, l'autorité administrative, donc la Direction générale énergie-climat et le pôle national des certificats d'économie d'énergie, le PNC2E. Il gère une plateforme qui s'appelle la plateforme EMI sur laquelle sont enregistrés les certificats. C'est prestataire EEX, anciennement PowerNext, qui gère cette plateforme. Il y a également un marché d'échange qui est créé, constitué, de fait, et l'autorité administrative, le ministère, surveille bien. Ce marché. Elle fixe, comme je l'ai dit précédemment, des obligations par période. Donc là, on est en période 4, auprès d'obligés qui sont les distributeurs d'énergie. Et là, vous avez des logos, voilà, de grands obligés, EDF, ENGIE, ou Total, pour les plus grands, qui doivent effectivement faire des économies d'énergie. Alors, comment s'y prennent-ils? Ils ont plusieurs façons de faire. Ils peuvent travailler sur leur propre patrimoine. Voilà, ça c'est la voie la plus simple pour eux. Ils peuvent également, et c'est là que le dispositif prend, je dirais, son rôle auprès de consommateurs finaux, ils doivent avoir un rôle actif et incitatif. Qu'est-ce que c'est qu'un rôle actif et incitatif? Alors c'est soit distribuer des primes, des bons d'achat, soit faire du prêt, du conseil, ou offrir des produits ou des services. Voilà. Donc il y a une liberté de choix. Dans le rôle actif incitatif. Actuellement, c'est beaucoup, c'est principalement du financement, mais en tout cas, il y a une possibilité qui est offerte. Ce rôle actif incitatif, il peut également être joué par des intermédiaires, puisqu'un obligé peut effectivement travailler avec des mandataires, donc des sociétés qui sont mandatées pour faire, des fournisseurs d'équipements, des installateurs, voilà, tout un tas d'intermédiaires qui vont également jouer un rôle actif incitatif. Auprès d'un consommateur final. Donc, une fois qu'il y a l'opération qui a été réalisée, donc les économies d'énergie générées, il y a
y a bien un dossier de preuve qui est récupéré par l'obligé et qui est délivré sur la plateforme EMI, et en contrepartie, il y a une délivrance de ces deux. Voilà. Donc là, c'est, je dirais, la voie, une des voies classiques pour qu'un obligé puisse récupérer des certificats d'économie d'énergie. Il peut également donc acheter et vendre les certificats sur le marché et petit à petit, comme ça, il remplit ses obligations sur la période. Il peut également déléguer ses obligations à des acteurs qu'on appelle des délégataires. Les obligés à l'heure actuelle sont environ 120, 130. Il y a une trentaine de délégataires. Délégataires, c'est bien des sociétés qui deviennent obligés à la place de l'obligé. Ils ont une part de l'obligation. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont devoir également aussi jouer un rôle actif incitatif. Ils peuvent également travailler avec des intermédiaires. Ils vont déposer les dossiers, récupérer les C2E, acheter et vendre sur le marché les C2E. Voilà. Il y a, et c'est ça qui est surtout important, les éligibles. Donc, qui sont les éligibles? Donc, des acteurs non obligés éligibles, c'est le terme. Il y a donc toutes les collectivités territoriales, voilà, et leurs établissements publics. Il y a l'ANA, les bailleurs sociaux, et les SEM et les SPL, dont l'objet est l'efficacité énergétique et qui proposent du tiers financement. Donc, en tant que collectivité, je vais me mettre à la place donc, de la plupart des gens qui sont autour de qui sont dans cette réunion. Eh bien, en tant que collectivité, vous pouvez évidemment travailler sur votre propre patrimoine, sur les bâtiments municipaux, sur les flottes de véhicules, voilà. Donc ça, il n'y a pas besoin de rôle actif incitatif, c'est là une des premières façons de faire. La deuxième chose également, c'est de vouloir faire des programmes d'action, ou en tout cas des opérations sur votre territoire et auprès de vos administrés, des citoyens. Voilà, et donc de jouer un rôle actif incitatif, soit vous-même, soit effectivement à travers des intermédiaires, pour faire des opérations d'économie d'énergie. Et l'ensemble de ces opérations d'économie d'énergie repose sur des fiches standards, donc je vais vous présenter tout à l'heure en détail. Donc il y a environ 200 fiches standards dans un catalogue. Et quand une fiche n'est pas standard, quand une opération ne correspond pas à une fiche qui est dans un catalogue, on passe par ce qu'on appelle une opération spécifique, un dossier qu'on va déposer auprès de l'administration qui va rendre compte qu'il y a bien eu des économies d'énergie qui sont réalisées. Voilà. Donc une fois que les économies d'énergie sont faites, l'éligible va récupérer les dossiers de preuve et va en contrepartie récupérer les C2E. Mais vu qu'il n'a pas d'obligation, lui, ce qui est intéressant pour lui, c'est justement après de pouvoir vendre ses C2E. Donc, soit sur le marché, mais également, ça peut être en direct auprès d'obligés. Il n'y a pas de... Là, tout est libre et ouvert, je dirais. Donc, voilà. Donc, là, il y a déjà quelques modes de production de C2E. Donc, une collectivité a également possibilité d'acheter et de vendre. Elle n'a pas que des C2E en vente, mais elle peut aussi en acheter si elle le souhaite. Une deuxième voie qui est assez usuelle, c'est de contractualiser en direct avec soit un obligé, soit un délégataire. Alors, souvent en amont hein, de l'opération, mais ça peut aussi être après. Donc, en contrepartie d'un financement qui sera donné par l'obligé ou par le délégataire, l'éligible donne les dossiers de C2E qui vont permettre à l'obligé de récupérer ses C2E pour son obligation. Voilà. Et enfin, une dernière voie de production de C2E, ce sont les programmes. Un programme, c'est simple, hein, c'est un porteur de programme, donc il peut être n'importe quelle entité, je dirais, association, délégataire, obligé, une université, une société entreprise, un groupement quelconque, vraiment, il y a une liberté totale sur les porteurs de programme qui réalisent des actions auprès des consommateurs finaux. Et en contrepartie de ce programme d'action qui est financé, qui
Voilà, il y a un financement défini dessus. Donc c'est forcément un obligé au navigateur qui finance ce programme. En contrepartie, il a une attestation comme quoi les actions sont réalisées, ce qui va lui fournir des C2E en contrepartie. Il va lui délivrer les attestations et le ministère va lui délivrer les C2E. Voilà, petit à petit, comme ça, la barre d'obligation de l'objet se remplit. Et pour in fine, la flèche tout en haut à gauche, à la fin de la période, il y a une pénalité libératoire si il n'a pas produit les C2E escomptés. Voilà en gros le dispositif. Donc, a priori, avec ça, vous avez une très bonne vision de comment s'organise le dispositif, quels sont les grands acteurs et les façons de produire des C2E et surtout d'en bénéficier en tant qu'éligible. Voilà, donc ce schéma, je ne le laisserai pas dans la présentation. Vous comprenez qu'il y a un peu trop de flèches et qu'il faut vraiment le présenter de manière dynamique. Grégory, on avait deux questions. Bien sûr. Alors, la première, c'est comment sont fixés les prix des C2E? Oui, existe-t-il une liste exhaustive des obligés? Exactement. Alors, sur le prix, je vais y venir tout à l'heure. J'ai un slide sur les prix, donc d'accord. Je répondrai après. Et la liste des obligés, il n'y a pas de liste exhaustive. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'obligation est connue que à la fin. En fait, c'est l'obligation est liée aux ventes d'énergie. Et les ventes d'énergie sont définies à la fin de la période. Voilà. Et pendant la période, il peut y avoir des cessions, des acquisitions, de sociétés. Donc, il n'y a pas de liste figée. Le ministère ne fixe pas de liste figée. Voilà. Il y a une liste des délégataires que vous aurez dans la. Vous aurez le lien dans la présentation sur les délégataires, les 30 délégataires. Et sur les objets, il faut se dire que c'est les grands fournisseurs d'énergie, voilà, au niveau national. Je pense qu'il y a la plupart, puisqu'il y a, je vous ai dit, environ 100, suivant comment on compte, 110, 100, 130 acteurs, quoi. Alors, là, juste pour vous dire, voilà, il y avait les différentes périodes, vous avez la chronologie. Et puis, sachez, voilà, pour information, hein, en période 4, il y a une année supplémentaire qui a été demandée, qui a été accordée par le ministère à iso-obligation. Donc, avant, on était à 1600 TWh cumac et maintenant, on est à 2133 TWh cumac. La période 4 s'achève fin 2021. Voilà, ça aussi, c'est pour info. Donc, je vais revenir petit à petit sur le schéma que je vous ai présenté, mais maintenant, plus concrètement, comment on fait. Donc, et ça, c'est un récapitulatif de ce que j'ai dit. Quelles options ont les obligés? C'est soit proposer, inciter à faire des opérations d'économie d'énergie, soit il contribue financièrement à des programmes, il a des C2E, soit il achète des C2E sur le marché, il délègue son obligation, ou s'il n'arrive pas à faire, il paye une pénalité libératoire à la fin de la période. Voilà. Alors, quelques notions maintenant que je n'ai pas évoquées, notamment le kilowattheure QMAC, c'est l'unité de comptabilisation. C'est quoi? C'est des économies d'énergie réelles qui sont cumulées sur la durée de vie de l'opération. Par exemple, une chaudière à condensation on va dire, ou haute performance, on va dire que ça a 17 ans de durée de vie. Eh ben, on prend les économies d'énergie, on multiplie par 17 et on actualise à un taux de 4%. Voilà, et on est sur du QMAC, cumulé actualisé. Un C2E, souvent on dit que c'est kilowattheure, QMAC. Voilà. L'obligation est normalement fixée par 3 ans, mais on a vu que c'est 4 ans sur la quatrième période. C'est bien le pôle national C2E qui délivre les C2E. On a les C2E sous forme matérielle sur le registre émis. Voilà. Et la durée de vie des C2E n'excède pas la fin de la période suivante, celle au cours de laquelle ils ont été délivrés. Voilà, donc la période suivante. Voilà. Et il y a des bonifications possibles dans le cadre, par exemple, de contrats de performance énergétique ou dans les zones non interconnectées, les îles, etc. Et la pénalité, je vous l'ai déjà évoqué. Donc, voilà, donc je vais venir maintenant en détail. Il y a les opérations standardisées, bien définies, avec un montant bien défini de C2E, les opérations spécifiques et puis les programmes. Donc ça, je vais le faire petit à petit. Donc, dispositif, comment justement utiliser les opérations standardisées. Alors, je vous l'ai évoqué, il y a un catalogue d'opérations par, euh,
par secteur. Donc là, on est après le 32e, il y avait 203 fiches, par exemple. Là, vous avez la déclinaison de nombre de fiches par secteur. Et puis, par exemple, donc là, c'est des fiches qui sont prises et qui sont utilisables sur un patrimoine d'une collectivité territoriale. Alors, donc, on a été voir dans le secteur tertiaire et puis dans le secteur réseau de chaleur, entre autres. Voilà. Vous avez, alors, là, une liste de fiches, hein, je ne vais pas les énumérer, je vous aurai les présentations, mais par exemple, dans un bâtiment, il y a effectivement tout ce qui est lié à l'enveloppe du bâtiment, donc l'isolation, à la fois du toit, des combles, etc., des murs, des planchers, il y a la production de chaleur, etc. Et puis, sur ce réseau, alors, excusez-moi, ça n'a pas été actualisé, je vois que j'ai oublié, parce que le dispositif évolue régulièrement, et là, il y a quelques fiches qui ont disparu, qui évoluent. Voilà, mais en tout cas, le catalogue est disponible sur le site du ministère. Alors, comment vous qui avez sans doute voilà, des envies, des projets pour votre collectivité, soit sur votre patrimoine, soit pour des programmes d'action, qu'est-ce qu'il faut, comment faire? Donc, déjà, voilà, y aller par étapes, donc déjà définir quel est mon objectif. Est-ce que je veux rénover mes bâtiments, moderniser mon patrimoine, réduire ma consommation d'énergie, augmenter mon confort ou valoriser mes actifs. Bon, tout ça, ça participe, je dirais, quelque part, à un objectif commun qui est qu'on va pouvoir utiliser les C2E. Donc déjà, bien définir son objectif. Ensuite, quels sont les équipements éligibles aux C2E, donc parcourir le catalogue. Quels acteurs peuvent m'accompagner là-dedans. Comment on constitue un dossier C2E. À quel prix, la question du prix, hein, je vais y venir. Et puis aussi, quand est-ce que je vais toucher mon financement. Voilà. Donc, on va y venir. Alors, voilà, là, vous avez un bâtiment. Et puis, vous avez ce bâtiment décomposé par les différentes fiches qui s'y rapportent. Donc, là, vous voyez qu'il y a l'enveloppe, tout ce qui touche à l'enveloppe, il y a énormément de fiches qui peuvent être utilisées, voilà, pour ce bâtiment ou pour tout ce qui est production de chaleur, donc à la fois sur la production effective, la chaudière, donc les différents systèmes d'équipement de production de chaleur, ou aussi sur tout ce qui est réglage des organes d'équilibrage, par exemple. Voilà, et puis il y a les différents systèmes de production, que ce soit à la fois la chaudière, la PAC, le chauffe-eau solaire, etc. Donc ça, je vous les laisse, effectivement, et vous pourrez les consulter. Alors, on parle enveloppe, on parle production de chaleur, mais il y a également production de froid, puisqu'il y a également cette possibilité. Évidemment, dans un bâtiment, il faut qu'il soit bien ventilé, donc il y a des fiches sur la ventilation et sur l'éclairage. Voilà. Alors, quel acteur peut m'accompagner dans ce dispositif? Voilà, j'espère que maintenant c'est clair comment les obligés, les délégataires peuvent travailler, vous être utiles, puisque eux, ils ont vraiment des obligations des C2E à récupérer pour leurs obligations. Et donc, ils sont en fait des financeurs potentiels. Après, il y a effectivement les fournisseurs d'équipements, les installateurs, qui peuvent avoir passé un contrat avec un obligé ou un délégataire et qui peuvent être des aides forcément, en tout cas les intermédiaires sur vos programmes d'action notamment, ou également quand vous réalisez une rénovation d'un bâtiment propre sur votre patrimoine, ce sont des acteurs qui vont collecter alors des C2E qui vont vous faire bénéficier en direct, ou alors vous pouvez vous-même récupérer les C2E. Tout est possible en fait, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous. Voilà, et puis, des bureaux d'études, certains spécialisés dans les C2E peuvent vous aider, notamment pour la constitution d'opérations spécifiques, où des fois, c'est des dossiers assez complets à fournir, mais aussi pour tout ce qui est gros travaux. Hein, ça, c'est assez habituel, je dirais, d'avoir
des maîtrises d'œuvre pour les travaux, notamment sur le patrimoine. Voilà. Donc, liste des délégataires qui est sur, voilà, sur le site du ministère. Donc, la liste des obligés, P3. Vous avez celle qui est de la période 3, mais pas de la période 4, qui est sur le site du ministère. Comment constituer un dossier? Alors, là, on se place dans le cadre où vous n'êtes pas sur votre patrimoine. C'est-à-dire que vous avez... Enfin, il y a deux choses. Si vous n'êtes pas sur votre patrimoine, vous devez prouver le rôle actif incitatif parce que le dispositif C2E doit être incitatif pour faire. Voilà. Donc, avant qu'il y ait l'engagement de l'opération, il faut prouver un rôle actif incitatif. Si vous êtes dans le cadre des travaux sur votre propre patrimoine, ce rôle-là n'est évidemment pas utile. Après, il y a la date d'engagement de l'opération, le devis ou le bon de commande. Ça, c'est les pièces indispensables. Après, il y a évidemment les travaux qui sont réalisés suivant un temps de début et de fin. Et puis, il faut identifier la date d'achèvement de l'opération avec des documents, attestation sur l'honneur, facture, fiche technique de l'équipement. Et il y a après un an pour déposer le dossier. Voilà. Alors, sachez que Amorce, et Camille pour en parler, a élaboré une boîte à outils qui définit, voilà, qui présente l'ensemble des pièces, des documents, des éléments pour constituer des dossiers. Donc, c'est extrêmement bien documenté. Alors, sur le prix, voilà, donc effectivement, la volatilité des C2E et du prix. Et là encore, j'ai pris que depuis 2018, mais quand même, on voit qu'en 2018, en janvier 2018, si vous prenez voilà, la courbe bleue, on était à 4 euros du mégawatt-heure et maintenant on se retrouve à quasiment 8, 9, donc un doublement du prix des C2E. Alors, là, je vais vous parler de deux choses. Déjà, donc, il y a un prix d'indice global. C'est le prix que vous allez retrouver sur EMI. Donc, EMI, vous avez le lien du site en haut sur ce slide. Voilà, le prix d'indice global. Mais c'est un prix qui est, je dirais, pas défini au temps réel actuel. C'est un prix qui est lié aux délivrances. Donc, c'est des prix qui ont, je dirais, un décalage de 6-8 mois. C'est pour ça que le ministère ou aussi les acteurs ont voulu qu'il y ait un indice spot, un prix d'indice spot qui correspond à des contrats qui sont effectués au mois d'avant actuel. Donc en fait là ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le prix d'indice spot est plus actuel sur les contrats qui sont réalisés à l'heure actuelle, alors que le prix d'indice global, voilà, c'est un prix qui a un petit peu de temps de latence. Bon, alors, c'est bien d'avoir une idée de ces prix-là, mais il faut aussi savoir que ce n'est forcément pas des prix auxquels vous aurez droit si vous contractualisez avec un obligé, un délégataire, ou que vous souhaitez le vendre sur le marché, pour la simple et bonne raison qu'il y a forcément des marges ou des coûts de structure pour les obligés, pour les délégataires, il y a des marges. Donc évidemment, ils vont se prendre des marges par rapport au prix. Et puis, alors, la question du prix est essentielle parce qu'effectivement, c'est ça qui finance l'investissement ou le programme d'action. Mais souvent, en fait, ce qu'il faut faire, hein, c'est de pouvoir comparer avec plusieurs entités, plusieurs acteurs, plusieurs obligés, plusieurs délégataires, ou si vous voulez le vendre sur le marché, c'est de surveiller le marché, effectivement de se dire, bon, quand est-ce que ça peut augmenter. Le prix est a priori stable, hein, je n'ai pas continué la courbe, parce que, excusez-moi, j'ai pas mis à jour le graphique, mais vous pouvez aller vous-même regarder le prix sur EMI, il est toujours à peu près stable, il est environ de 7, 8 euros, on va dire. Mais je crois que tout à l'heure, il y aura des exemples, hein, sur... je suis en train de lire aussi, pardon, les questions. Donc, il va y avoir des exemples de collectivités sur, effectivement, les prix auxquels elles ont eu droit. Alors, je suis en train de lire, pardon,
Quelle est la dynamique des prix? Pourquoi les prix augmentent ou baissent? Est-ce un effet d'offre et de demande? Alors, c'est effectivement a priori ça. C'est assez compliqué de définir des facteurs explicatifs des prix. En tout cas, il y en a un qui est, enfin, il y en a deux qui sont majoritaires et qui ont une grande influence sur le prix, c'est le niveau de l'obligation et la durée de la période. C'est-à-dire, plus le niveau d'obligation est fort, plus il y a une difficulté à produire des CE2e et donc plus il y a une tension sur le marché. Et plus la période est courte, plus, voilà. Donc, c'est cette relation qui fait que la période 4, en fait, on le voit, la période 4, elle a commencé en janvier 2018. La période 4, le prix a augmenté de manière croissante parce que les acteurs se sont aperçus que l'obligation était forte par rapport aux obligations précédentes, aux périodes précédentes. Et donc, c'est ça qui a fait que le prix à l'heure actuelle est assez haut. Après, il y a plein de choses qui fluctuent et qui, puisque le législateur dans le dispositif, faut que vous compreniez qu'il a des leviers d'action. Je vais vous en parler. Alors, plusieurs leviers d'action ont été mis en œuvre pour que le prix n'augmente pas fortement. C'est déjà, il y a eu une ouverture du dispositif aux sites EUTS, donc les sites soumis à quota CO2, les gros sites industriels, qui n'étaient pas avant 2019 éligibles au certificat d'économie d'énergie, ils ne pouvaient pas y recumuler, et maintenant il y a une possibilité. Donc ça crée des nouveaux, je dirais, gisements d'économie d'énergie, donc un nouveau volume possible pour les obligés. Ça normalement décroît la pression de production. Maintenant, il y a une possible cumul aide ADEME et CE2e. Donc pareil, c'est des opérations qui n'étaient pas possibles maintenant qu'ils le sont. Il y a eu de nombreux appels à programmes. Et je vais finir sur les programmes. Donc maintenant, il y a plus de 60, enfin il y a environ 71, enfin 71 programmes précisément même. À l'heure actuelle, dans le dispositif CE2e, les prix des programmes sont à 5 euros. Donc, en fait, plus il y a de programmes à 5 euros, plus effectivement, les acteurs ils financent à ce prix-là et donc ils n'ont pas intérêt à financer à 7 ou à 8. Voilà, donc tout ça, tous ces éléments ajustent et permettent au législateur de, voilà, de voir d'influer sur le prix. Après, vu que c'est un marché, il y a aussi des jeux d'acteurs, il faut être clair là-dessus, avec des possibilités a priori de stock, hein, d'acteurs qui font des stocks pour peut-être influencer sur les prix. Tout ça, c'est. Il y a aussi un peu l'effet boîte noire, hein, sur le dispositif. Voilà. C'est des suppositions, ça, sur les stocks, mais c'est possible. Voilà, il y a des possibilités comme ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir vraiment une analyse fine sur les prix. Alors, sous quelle forme? Ou si vous voulez, je vais continuer ma présentation et puis je reviendrai sur les questions. Si ça vous va, je les ai en tête là. Alors, quand est-ce que je vais toucher mon financement? C'est une question que vous pouvez vous poser. Eh bien, tout va dépendre en fait si vous voulez vous-même récupérer les CE2e, donc avoir une valorisation en propre. Donc là, vous avez vous-même, vous devez gérer vous-même les dossiers à récupérer, les déposer au PNC2E. Et la délivrance se fait ensuite, donc ce sera forcément après l'opération. Soit c'est une contractualisation en amont de l'opération avec un obligé ou un délégataire, comme vous avez pu le voir dans le schéma, qui va vous financer et qui, de sorte, prouve son rôle actif incitatif auprès du bénéficiaire qui cède les CE2E. Voilà. Donc, cette contractualisation avec un obligé ou un délégataire, là, il peut y avoir aussi des modalités de financement qui peuvent être il peut y avoir des avances, des soldes, enfin voilà, tout ça, c'est je dirais, libre. Donc, en tout cas, il y a plusieurs façons de faire pour toucher le financement. Et puis, pour le bénéficiaire, par exemple, pour le particulier, vous avez fait un programme d'action vers un particulier, lui, il peut toucher en fait sa prime de travaux, on va dire, suivant aussi différentes sortes de voies, enfin possibilités. Soit c'est le partenaire du demandeur qui fait l'avance de trésorerie, donc c'est bien celui qui a installé, qui a fait l'opération, qui a fait l'avance de trésorerie sur les CE2e qui ne sont pas encore délivrés, et donc il peut verser une prime.
qui est déduite directement du montant des travaux, soit celui qui récupère la prime attend qu'elle soit déposée, validée par le PNC2E, et la prime est versée donc quelques mois après la fin des travaux. Voilà. Donc ça, c'est aussi différentes possibilités pour le bénéficiaire. Alors, là, c'est un schéma, mais que je vais vous laisser puisque je l'ai déjà expliqué dans le schéma précédent. Je vais y venir, je ne vais pas y revenir, vous l'aurez. Pareil, hein, ce seront des redites, mais ça explique aussi en détail. Mais je l'ai déjà dit. Et donc, je passe quand même assez vite là-dessus. N'hésitez pas à me poser des questions si ce n'était pas clair. Mais sur, c'est des schémas qui expliquent un tout petit peu plus les choses, mais vous avez l'essentiel dans ce que j'ai déjà dit. Maintenant, je vais venir sur les opérations spécifiques qui peuvent concerner certaines collectivités. Donc, sachez que nous, on a fait un guide à l'ADEME qui est en cours de mise à jour, mais qui vraiment aide à construire un dossier pour une demande d'opération spécifique. Les opérations spécifiques, il faut savoir quoi là, il y a effectivement, vu que ça ne correspond pas à une fiche standard et qu'il n'y a pas un calcul de forfait de C2E, eh bien, il faut dans le dossier définir soi-même, je dirais, le calcul, le gain d'économie d'énergie avec, en ayant fait souvent un audit énergétique, définir une situation de référence, la situation finale, et puis connaître les durées de vie, justifier les durées de vie de l'équipement, etc. Il faut qu'il y ait un temps de retour sur investissement également de calculer. Voilà. Donc, je m'appesantis pas là-dessus. Sachez vraiment que vous pouvez être les guides. Vous êtes pas à pas, et le guide, même dans sa version pas mise à jour, est encore d'actualité sur notre site internet. Les programmes C2E, donc je l'ai déjà évoqué. Donc un programme, c'est bien une action ou des actions, un programme d'action sur des opérations qui ne sont pas physiquement, qui ne donnent pas lieu à des économies d'énergie physiques et réelles, au sens strict du terme, c'est plutôt, je dirais, de la formation, de l'accompagnement, de la sensibilisation. Donc, ça peut être. Alors, ces programmes permettent donc de soutenir des actions qui sont structurantes ou innovantes et qui contribuent, ce que je dis, à la réalisation d'économies d'énergie sans qu'il soit possible de les quantifier directement. Voilà. Il y a le catalogue des programmes sur le site. Donc, vous avez le lien. Il y a à l'heure actuelle 71 programmes. Donc, je vous invite fortement à consulter ce programme puisque il y a des programmes vraiment sur tous les secteurs, que ce soit sur le bâtiment, pour l'éducation scolaire, pour la mobilité, notamment mobilité auprès sur les territoires, tout ce qui est covoiturage, plan de déplacement, aides. Nous, par exemple, on a un programme qui s'appelle le programme à vélo qui aide les collectivités à structurer leur stratégie vélo sur leur territoire. Voilà, donc il y a vraiment un grand nombre de programmes et je vous invite vraiment à le consulter. Donc, dans le catalogue, vous avez le descriptif plus le lien vers les programmes. Voilà, donc vous pourrez voir si il y a des programmes sur lesquels vous pouvez vous rattacher. Et dans ce cas-là, soit vous contactez en direct le porteur du programme, soit vous passez par l'ADEME régionale qui peut vous donner, puisque nous, sachez qu'à l'ADEME, on suit tous les programmes au niveau national. Voilà. Donc là, c'est le fonctionnement d'un programme, mais je l'ai dit, en fait, c'est en contrepartie d'un programme d'action qui est mis en œuvre. Il y a bien un financement par un acteur obligé. Voilà, alors dans ce tableau, vous avez les compétences des collectivités territoriales et les C2E, en tout cas ce qui se rapporte aux C2E. Donc je ne vais pas le présenter en détail, par exemple, je vais simplement prendre la première ligne où vous voyez, par exemple, sur la gestion des établissements scolaires ou le patrimoine ces établissements. Donc si vous souhaitez rénover l'établissement scolaire,
mettre en place, par exemple, une régie agricole ou le chauffage d'une serre horticole ou sensibiliser aux économies d'énergie. Vous avez, par exemple, donc les fiches standardisées bâtiments pour la rénovation de l'établissement, pour la mise en place d'une régie agricole ou du chauffage d'une serre agricole. Vous avez des opérations standardisées en agri, donc les fiches TH109 et 110. Et puis, si vous souhaitez que vos établissements scolaires participent à des programmes d'économie d'énergie, vous pouvez aller voir notamment, par exemple, le programme Wati à l'école. Voilà. Donc là, vous avez vraiment des exemples par rapport à vos compétences de vos collectivités. Là, c'est juste pour vous montrer dans ce tableau que donc ce sont les volumes par période, donc P2, P3, et vous avez la liste des demandeurs par période. C'est juste pour vous, vous voyez que les collectivités territoriales, en fait, demandent, alors en propre, là on n'est qu'en propre, mais très peu de C2E. Alors évidemment, il n'y a pas la part des C2E récupérés par les obligés avec un contrat collectivité territoriale. On n'a que les demandes en propre là, mais c'est effectivement très peu et c'est pourtant une source de financement très importante, les C2E, pour les collectivités territoriales. Donc voilà, c'est vraiment un chiffre qui montre que voilà, vous avez en tant que collectivité territoriale beaucoup, je dirais, pour l'instant, il est peu mobilisé, on va dire, avec ces chiffres-là, on voit qu'il est peu mobilisé par les collectivités territoriales, ce qui est tout à fait dommage, puisque c'est à la fois pour les acteurs obligés, eux, ils sont très intéressés pour vous accompagner, puisque c'est de la production pour eux qui est facilitée. Voilà, c'est des opérations qui peuvent récupérer en certificat. Et puis pour vous, vraiment, c'est du financement accessible, et surtout avec le prix actuel du C2E. Donc là, je vous ai mis pour information, voilà, les principales opérations standardisées. Pour le dispositif. Donc, vous voyez que c'est les fiches d'opération sur les isolations des murs qui représentent à peu près 10%. Voilà. Après, il y a la chaudière individuelle à haute performance énergétique, système de récupération de chaleur, voilà, ce groupe froid. Ce sont les principales fiches, et puis vous avez la liste. Un petit point sur voilà, et là c'est un zoom précis pour vous montrer comment on va utiliser par exemple une fiche spécifique. Et là j'ai pris l'exemple des réseaux d'éclairage public. Voilà. Donc les réseaux de travaux de rénovation d'éclairage sont éligibles au C2E. Voilà, avec les fiches RES EC101, RES EC102. Enfin, voilà, vous avez la liste là, qui sont des fiches qui peuvent, voilà, donc être sur le système de régulation de tension d'éclairage extérieur, système de maîtrise de la puissance réactive en éclairage extérieur, le système de variation de puissance, etc. Et puis, voilà, donc vous avez vu la rénovation d'éclairage, l'horloge astronomique. Et puis, notamment, vous avez une fiche sur le tertiaire, sur les éclairages intérieurs, ce qui est la BAT EQ127, le luminaire d'éclairage général à module LED. Voilà, donc là, l'exemple, c'est, donc vous avez là une fiche, comment est constituée une fiche. Et donc, j'ai pris comme exemple la RES EC104, rénovation d'éclairage extérieur. Donc, on définit le secteur d'application, la dénomination de l'opération, ce que c'est bien une rénovation d'éclairage extérieur par dépose de luminaire et mise en place de luminaire neuf dont la source lumineuse peut être remplacée. Voilà, donc ça c'est le début de la fiche, et puis vous avez l'ensemble de la fiche qui est là, donc les conditions de délivrance du certificat, la durée de vie de l'équipement, et puis le montant que vous pourrez récupérer. Donc là, on sait par exemple pour le cas numéro 1, on aura 9300 kWh QMAC fois le nombre de luminaires qu'on aura installés. Et pour le cas numéro 2, alors il faut aller dans le détail des conditions de délivrance pour savoir quel est le cas qui s'applique. Donc c'est en fonction de l'efficacité lumineuse qu'on va mettre en place. Et donc, par exemple, si on change 100 luminaires LED avec cette fiche, 100 fois 9300 kWh QMAC, on aura 930 000 kWh QMAC. Et si on prend 7 euros du mégawatt-heure QMAC, on a une prime C2E de 6 510 euros pour 100 luminaires rénovés. Voilà, donc
c'est juste un exemple pour vous dire voilà, comment même vous, vous pouvez calculer quel va être le montant des travaux, enfin de primes C2E que vous allez récupérer sur les travaux, sur les opérations liées à des fiches. Voilà. Alors, quelques informations, et si vous voulez aller plus loin, hein, donc c'est voilà, les nouveautés, je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment sur le fait que le dispositif évolue de manière continue, à la fois et aussi parce qu'on veut que c'est des leviers d'action pour le ministère pour ajuster, je dirais, le prix, mais c'est aussi parce que voilà, y a des évolutions avec les différents acteurs. Voilà, donc vous avez à l'heure actuelle effectivement les aides ADEME qui sont compatibles, alors sous conditions, donc les conditions elles sont précisées sur notre site internet. Donc, je ne vais pas venir en détail là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais ce n'est pas l'objet de la présentation. Donc maintenant c'est possible de cumuler ces deux EV aides ADEME. J'en ai parlé tout à l'heure, les sites soumis à quota, donc EUTS, Emission Trade Scheme, donc le schéma, voilà, le plan national d'allocation des quotas, sont éligibles au C2E. Et puis, les C2E sont une aide privée, hein, sont pas une aide publique, et donc, de toute façon, de fait, sont compatibles avec les aides européennes. Voilà pour une présentation générale. J'ai pas une idée de l'heure, j'espère ne pas avoir été trop long. Et donc, je vais prendre... Enfin, Benjamin, est-ce que j'ai un... Peut-être tu oui, vas-y, hein, prends temps. Le temps de répondre. Ouais. Alors, donc, si je les prends une par une, existe-t-il une liste des objets ? Alors, les statistiques d'utilisation des fiches, bah, je vous ai montré des exemples, donc je pense avoir répondu à la question. Effectivement, on a on sait par type de fiche les volumes qui sont utilisés, enfin les volumes produits de ces deux œufs. Donc là, je vous donne un exemple d'actions les plus utilisées. Est-ce que des robinets, ça passe dans la fiche CE2E équilibrée? Alors là, c'est une question très spécifique. Attendez, je vais prendre les questions un peu générales, peut-être revenir. Est-ce que la période 4 est prolongée d'un an? Avec quel volume? Donc, oui, j'en ai évoqué. Est-ce que les programmes CE2E sont prolongés? Oui, il a été évoqué que les programmes sont prolongés, normalement la plupart, donc tous les porteurs de projets sont informés, la plupart des programmes qui se terminaient fin d'année sont prolongés. Ouais, ouais. Alors sous quelle forme, quel exemple de document doit-on fournir pour prouver le rôle actif incitatif? Donc je l'ai évoqué, n'hésitez pas à aller voir la boîte à outils d'Amorce, hein, qui explique l'ensemble des documents. Là, vous trouverez forcément un exemple concret et puis ça va vous guider pas à pas. Alors, j'ai parlé du prix. Est-ce qu'une collectivité peut contribuer financièrement à un programme pour le valoriser ensuite dans son dossier C2E? Non. Peut-être directement. Alors, une collectivité peut être porteur d'un programme. Ça, je l'ai dit, il n'y a pas de. Là, c'est libre, un porteur de programme. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de critères. Tout organisme, toute entité peut être porteur d'un programme, ça oui, mais une collectivité ne peut pas contribuer financièrement à un programme. D'ailleurs, elle n'aurait pas trop d'intérêt dans le sens où elle peut bénéficier du programme, elle peut bénéficier des actions que le porteur de programme va définir dans son programme d'action, avec un programme qui est financé par des obligés. Donc là, le dispositif, c'est vraiment ça, c'est des acteurs obligés, donc des acteurs privés, des énergéticiens qui financent les programmes et après vous pouvez en bénéficier soit en tant que porteur parce que vous allez porter un programme, soit en tant que collectivité qui rentre dans le périmètre d'action, la cible du programme. Donc là, voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous incite à aller voir le catalogue des programmes. Alors, quelle est la part des C2E demandée par les obligés et les délégataires, mais relevant d'opérations sur le patrimoine des collectivités? Alors, on n'a pas forcément tous les chiffres. Je pourrais avoir le chiffre, je ne l'ai effectivement pas en tête. Je vous ai donné un tableau tout à l'heure où il y avait surtout les demandes, en fait. Ça, on sait précisément quels sont les volumes des demandeurs.
par type de demandeur. Donc voilà, donc effectivement, je pourrais trouver l'information si vous le souhaitez. Mais j'ai pas ces... Et alors souvent aussi, vous sachiez, c'est que les contractualisations, le ministère et nous, ADEME, on n'a pas l'information sur les contractualisations qui sont menées. C'est-à-dire une collectivité qui contractualise avec un obligé, c'est à la fin l'obligé qui récupère les C2E et on n'a pas, nous, d'idée du montant, par exemple, qui a été contractualisé, montant des primes C2E, enfin du montant financier du contrat. On n'a pas forcément le détail des opérations puisque l'obligé peut après récupérer et faire un lot qui ne va pas correspondre à cette opération-là. C'est-à-dire que l'obligé, lui, dépose, je dirais, peut-être, alors je ne sais pas à quelle échéance de temps, mais il dépose des gros dossiers de C2E et tout ça, c'est intégré dedans. Donc, on n'a pas forcément non plus toute l'information. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc je pourrais avoir une information, mais partielle. Voilà. Alors, jusqu'à combien de temps après la réalisation d'une opération de travaux peut-on constituer un dossier et obtenir un financement? Donc, après la fin de l'opération, on a un an pour déposer le dossier. Voilà, et le financement, tout dépend en fait du mode de valorisation dont je parlais. Mais parce que si la collectivité dépose en propre, donc elle met un an après les travaux, elle dépose, le temps que l'administration délivre les C2E et qu'après vous avez les C2E et vous voulez les vendre. Donc à quel moment vous allez les vendre sur le marché ou est-ce que vous allez directement en gré à gré travailler, avoir une vente auprès d'un obligé. Voilà. Tout ça, c'est soumis en fait au choix que vous faites. Et merci pour effectivement les dernières statistiques sur les C2E. Et donc sur la question du robinet thermostatique, c'est ça, ça passe dans la fiche C2E équilibrage. Je vous propose d'aller vraiment regarder bien la fiche et puis n'hésitez pas à m'envoyer cette question par mail. Si vous souhaitez, je pourrais vous répondre précisément je n'ai pas en tête toutes les fiches, vous savez, il y en a 200. Voilà. Donc, en tout cas, je peux répondre à votre question précisément. Donc, mon mail, je vais vous l'envoyer, je vous l'écris. Est-ce qu'il y a d'autres questions, a priori, Benjamin? Je crois avoir fait le tour. Oui, je crois que c'est bon. Merci. Parfait, du coup, je vais enchaîner. Voilà, donc vous avez mon mail. Voilà. Je partage l'écran, apparemment, je ne peux pas... Oui, j'arrête, pardon. Pas de problème. Voilà. C'est bon, vous voyez bien? Oui, mais on voit bien. Par contre, on t'entend un petit peu loin si... Ça va ? Oui, parfait. Ok, très bien. Donc, je vais enchaîner sur l'état des lieux dans le Grand Est sur la mobilisation des certificats d'économie d'énergie. Voilà. Donc, ce sera assez rapide, c'est histoire d'avoir un peu un panorama de où on en est. Alors, comme l'a dit Grégory, aujourd'hui, on est. Les C2E sont intéressants parce que le prix a beaucoup augmenté sur les trois dernières années. Il a été multiplié par 4 en 3 ans. Donc, ça veut dire que la prime associée a été multipliée par 4 en 3 ans. Donc, c'est important pour les collectivités, par exemple, pour financer des travaux de rénovation énergétique, de rénovation de l'éclairage public, etc. Donc là, on a déjà parlé des fiches standards, mais en voici une autre. Sur l'enjeu financier, quand on regarde ce que ça représente au niveau de la région Grand Est, quand on prend un ratio population, on estime que c'est entre 700 millions et 1,3 milliard d'euros pour la période 4. C'est une somme importante, notamment pour les territoires qui arrivent à la mobiliser. Si on fait le ratio territoire, ce serait de l'ordre de
de 2 millions d'euros par an par EPCI. Alors, sans ratio population, juste en regardant par territoire. Donc, ce n'est pas négligeable. Donc, pour faire l'état des lieux, j'ai procédé à un questionnaire mail et à une enquête téléphonique. Donc, je vais d'abord présenter les résultats de l'enquête email qui a été faite auprès des collectivités qui ont fait appel à des aides Climaction. Donc, il y avait 43 répondants. Donc, la plupart ont fait appel au C2E pour rénover leur bâtiment. C'était exclusivement sur la rénovation énergétique, ce questionnaire. Donc, ceux qui ont fait appel aux aides Climaction ont également fait appel au C2E classique pour 28 d'entre eux sur les 43. 4 ont fait appel au C2E type CV et 11 n'ont pas eu du tout recours au C2E. En moyenne, les travaux subventionnés étaient de l'ordre de 150 000 euros. La valeur moyenne des C2E, c'était 27 000 euros. Quand on enlève les C2E TEPCV, donc le programme TEPCV, c'était un programme très intéressant pour les collectivités qui aujourd'hui est quasiment fini, voire totalement fini. On est plutôt à 20 000 euros d'aide sur les C2E. Donc, on arrive en général à une couverture de l'ordre de 13%. Pour les C2E, donc sur la rénovation énergétique. Donc, de manière générale, sur ce questionnaire, là, on voit que les collectivités font plutôt un appel aux C2E pour rénover. Après, il faut faire attention, il n'y avait pas beaucoup de répondants, je le rappelle, 43. Et puis, il y a un biais aussi important, c'est que les collectivités qui font appel aux aides Climaction, c'est déjà des collectivités engagées qui veulent tendre vers des travaux de rénovation énergétique performants. Et il y a un biais aussi, c'est quand on reçoit un questionnaire qui parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, on a tendance à le mettre de côté. Donc voilà, il y a un biais qu'on peut appeler du bon élève qui veut montrer que oui, effectivement, il a fait appel au C2E pour la rénovation énergétique. Juste Benjamin, il y a oui. Des petits problèmes de son en fait. Je ne sais pas si ça vient de toi, mais en fait, ça coupe par moment où on t'entend loin. Donc, je ne sais pas si tu peux parler plus fort ou. Ce que je peux faire. Je vais essayer de parler plus fort, mais je parle déjà fort. Donc, je vais reprendre. Est-ce que c'est mieux ? Oui, pour l'instant, oui, ça va. Ouais. Il y a eu une enquête auprès des conseillers en énergie partagée. Donc, il y en a à peu près 20 à 25 sur le Grand Est. Dans 90% des cas, ils informent le territoire sur l'existence des certificats d'économie d'énergie. Voilà. 60% des CEP font du regroupement de C2E pour le compte des collectivités territoriales infra, donc par exemple un EPCI qui va proposer aux communes de faire le regroupement des C2E, ou ça peut être un PETR qui propose à la fois aux EPCI et aux communes de faire ce travail-là. Et seulement 10% des CEP font du dépôt direct sur la plateforme EMI. Donc, c'est pas forcément beaucoup, mais ça veut dire que les autres, en général, ont... travaille avec des obligés ou des délégataires directement. Et en moyenne, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix est de l'ordre de 5 euros par mégawattheure CUMAC pour la valorisation des C2E pour les CEP du Grand Est. Voilà. Donc, c'est un tarif plutôt bas. Donc, de manière générale, il y a une bonne mobilisation des C2E par les territoires moteurs. On voit un 60% quand même des collectivités où il y a un CEP font de la valorisation des C2E. Après, il y a une marge de progression importante, notamment sur le prix. On peut voir entre le prix de marché qui est plutôt de l'ordre de 9 euros et le prix contractualisé qui est de l'ordre de 5 euros. Comme l'a dit Grégory, effectivement, il y a un service rendu avec une rémunération de l'opérateur, ce qui est normal. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de rémunération et puis la perte de chance pour la collectivité. Donc, voilà, il y a probablement un entre-deux qui est davantage souhaitable avec une meilleure négociation des collectivités. Ce qui peut expliquer aussi ce prix un peu plus faible, c'est le fait que les
contrats en général sont pluriannuels, donc qui ont parfois été négociés pour 3 ans il y a 2 ans avec un tarif qui était plus bas, comme on l'a vu. Et donc, le gisement important qui reste, c'est plutôt celui des collectivités qui sont peu sensibilisées sur les C2E. Et on sait qu'il y en a encore beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant, parce que ça représente un potentiel de financement important pour ces collectivités peu sensibilisées. Voilà. Au niveau de la région, on travaille sur différents axes pour essayer de mieux valoriser les C2E, donc essayer de renforcer la formation des chargés de mission énergie des territoires qui sont déjà impliqués, donc, comme les CEP, en proposant des échanges d'expériences. Développement de la valorisation des C2E dans les territoires non couverts. Donc, c'est notamment l'objet, par exemple, de ce webinaire. Et enfin, on propose aussi un service régional de valorisation de C2E avec Octave, donc, qui sera présenté en fin de webinaire. Voilà. Voilà pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions et j'espère que vous m'avez entendu. Benjamin, il n'y a pas trop de questions comme ça sur le chat. Très bien. Je ne sais pas si les personnes veulent poser des questions à l'oral. Ok, bah, Camille, je te propose d'enchaîner et puis s'il y a des questions, on y répondra plus tard. Voilà. Ça marche. Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Camille Financia de l'association Amorce. Je suis chargée de mission rénovation et je m'occupe des certificats d'économie d'énergie chez Amorce. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Amorce, mais je vais présenter en deux minutes. En fait, on est une association de collectivités. On accompagne les collectivités sur tout ce qui est politique, eau, énergie, déchets. Et voilà, on publie des guides, on fait souvent des groupes d'échange, des webinaires pour partager un peu les expériences. Voilà. On a 2/3 de collectivités et 1/3 de professionnels. Et on a plus de 950 adhérents répartis dans toute la France. Donc voilà. Et on fait remonter aussi les demandes. En fait, les attentes des territoires au niveau des ministères, voilà. Donc, concernant les C2E, en fait, on a fait pas mal de guides, voilà, que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Et je vais vous parler plus précisément de la boîte à outils qu'on a publiée sur le site d'Amorce, qui est accessible en ligne, voilà, qui est accessible à tout le monde. On l'a réalisée en partenariat avec l'ADEME. Donc en fait, c'est une boîte à outils en fait, qui regroupe pas mal de documents types pour les collectivités pour monter en fait, vos opérations. Elle est organisée en fait, selon les montages, en fait, selon les différents montages. Donc selon que la collectivité est maître d'ouvrage d'opération d'amélioration énergétique sur son propre patrimoine ou si elle facilite la valorisation des C2E par d'autres maîtres d'ouvrage. Lorsque la collectivité dépose en propre en fait, et qu'elle est maître d'ouvrage d'opération sur son propre patrimoine, il y a différentes pièces à transmettre au pôle national C2E et des documents à archiver en cas de contrôle. Du coup, vous pouvez les retrouver sur notre site, les télécharger. C'est des documents types que des collectivités nous ont transmis. Donc, vous pouvez voilà, cliquer, les télécharger. Ça vous permet d'avoir un peu une vision de ce que vous devez transmettre au pôle national en cas de dépôt de C2E. Il y a la même chose lorsque la collectivité contractualise avec un obligé. Donc, il y a comment trouver un obligé. Donc, il y a une liste de personnes soumises aux obligations. Donc, c'est en troisième période. C'est une erreur de frappe. Car en fait, comme Grégory l'a dit, il n'y a pas encore de liste en quatrième période. Il n'y a que pour la troisième période. Pareil, une liste de délégataires pour la P4, si jamais vous voulez contractualiser avec un délégataire. Et il y a une liste aussi non exhaustive de plateformes en ligne, comme CEDENERGIE,
Voilà. Et également des pièces à transmettre à l'obligé en cas de contractualisation. Il y a également des documents types en cas de groupement, c'est-à-dire quand, plusieurs collectivités en fait, désignent une collectivité comme regroupeur de ces deux œufs. Voilà, quand vous faites un dépôt entre plusieurs collectivités pour atteindre notamment le seuil de 50 gigawattheures CUMAC minimum pour déposer un dossier C2E. Du coup, il y a par exemple un accord constitutif du groupement, première demande, il y a des conventions aussi qui entre collectivités, et il y a également des délibérations de type d'autorisation de la signature de convention pour les collectivités. Voilà, il y a également des documents pour dans le cas où la collectivité contractualise avec un obligé pour d'autres bénéficiaires. Il y a également aussi une preuve du rôle actif et incitatif que vous pouvez télécharger. Voilà, il y a la même chose lorsque la collectivité dépose des C2E pour des opérations faites par d'autres maîtres d'ouvrage. Vous pouvez retrouver pas mal de documents. Voilà, je vous ai mis là et ici le lien vers la boîte à outils pour que vous puissiez y accéder rapidement, en sachant que cette boîte à outils en fait elle a vocation à un peu évoluer, à répondre un peu plus à vos attentes, aux attentes des collectivités. Donc si jamais vous avez des besoins ou si jamais vous voulez partager des documents, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à faire remonter vos besoins ou votre volonté de partager vos documents ou vos retours d'expérience. On est toujours preneur de retour d'expérience un peu nouveau. Donc voilà, je suis allée assez vite, mais vous pouvez tout retrouver sur notre site internet. Alors, pour vous montrer, je sais pas si vous voyez tout le monde, mais là, je suis sur le site d'Amorce, en fait, pour vous montrer un peu comment c'est fait. Donc voilà, il y a un peu les textes. Je pense qu'il faut que tu changes de partage de page. Ah, pardon. Je vais arrêter le partage. Excusez-moi. Hop. Voilà, vous voyez, c'est bon ? Parfait. Du coup, sur le site d'Amorce, voilà, vous tapez boîte à outils Amorce C2E. Là, il y a les textes réglementaires. Il y a notamment le calculateur C2E fait par l'ADEME. Et après, il y a pas mal de guides, le guide ADEME, les guides faits par Amorce. Voilà. Et après, vous pouvez retrouver par typologie de montage, en fait, les documents types. Et vous n'avez plus qu'à cliquer et à les télécharger. Voilà. Et donc voilà, c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez y aller, télécharger. Tout est bon. Petite question. Vous avez eu le temps de refaire le site. Enfin, les liens sont actifs. Oui, oui, les liens sont actifs. Ouais, oui, j'ai pris le temps de tous les remettre. Chouette, merci. Et il y a une question aussi sur... comment savoir si son territoire est actif ? Donc, j'imagine que c'est le rôle actif et incitatif. Pour le rôle actif et incitatif, en fait, lorsque la collectivité en fait des travaux sur son propre patrimoine, elle a pas approuvé en fait son rôle actif et incitatif. C'est dans le cas où elle valorise en fait les C2E pour le compte de tiers, donc c'est pour le compte de, par exemple, des particuliers dans le cadre de la rénovation des logements, dans le cadre de valorisation pour des entreprises, par exemple, ou pour d'autres collectivités. Et là, en fait, il y a plusieurs justificatifs. Ça peut être de plusieurs façons. Grégory, je ne sais pas si tu peux compléter, mais il y a notamment tout ce qui est convention. Par exemple, lorsque vous faites une convention avec les particuliers, ça prouve en fait que vous avez un rôle dans leur rénovation. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur la boîte à outils. Non, c'était pour toi, Benjamin, la question. C'était sur la mobilisation des C2E par rapport à l'enquête. Le rôle, pour savoir si son territoire est actif ou non sur les C2E. Ok. Simplement, j'ai appelé l'ensemble des conseillers en énergie partagée. Donc, sont en général ceux qui s'occupent du regroupement des C2E. Après, l'enquête est forcément imparfaite dans la mesure où c'est un échantillon. Sinon, en général, donc sur un territoire, c'est le CEP qui s'occupe
la valorisation des C2E, soit à l'échelle du pays, soit à l'échelle de la communauté de communes. Et donc, le plus simple, c'est d'appeler sur son territoire le pays ou, ou la communauté de communes. Je ne sais pas si c'était cette question-là, en tout cas. Et sinon, une collectivité qui n'est pas encore active en termes de valorisation des C2E peut le devenir. Okay. Très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Camille, est-ce que tu peux remettre le lien peut-être dans le chat pour oui, vers la boîte à outils? Je vais vous mettre mon adresse mail, comme ça, si vous avez des questions ou autre chose, et je vais vous remettre le lien de la boîte à outils. Parfait. Voilà. Ah oui. Autre chose sur les supports de présentation, ils sont disponibles sur l'Intradem Grand Est. Et pour ceux qui n'ont pas de compte Intradem Grand Est, vous pouvez en laisser votre adresse mail sur le chat et on vous enverra les supports de présentation. Super. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, Camille, sur la présentation? Non, voilà. Après, comme je disais, si jamais vous avez d'autres besoins, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de choses sur la boîte à outils, ou si jamais vous êtes acteur du dispositif et que vous voulez partager vos documents, vous pouvez m'envoyer un mail et je verrai comment on peut soit la mettre, soit rajouter des éléments en plus. Voilà. C'est vraiment à destination des collectivités et c'est fait pour un peu pour évoluer, pour répondre plus à vos attentes. Donc voilà. Parfait. Merci Camille. On va passer la parole à Rebecca Bourru de la communauté de communes des Crêtes Préardonnaises. Oui, bonjour. Bonjour Rebecca, merci pour ton témoignage. Alors, voilà, bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit checklist un peu de comment nous on a fonctionné au niveau des C2E. Du coup, nous, on s'est lancé dans l'expérience. Donc, pour préciser, les Crêtes Préardonnaises, c'est 94 communes, 22 000 habitants, et la plus grosse commune, c'est 1400 habitants. Donc, en fait, chacune des communes n'ont pas forcément un secrétariat ou une personne qui peut gérer les dossiers un peu dossiers assez, voilà, assez compliqués ou administratifs. Donc, voilà, pour la situation à peu près géographique dans les Ardennes. Nous, on a commencé les C2E début 2017 quand il y a eu les C2E TEPCV qui sont sortis pour les lauréats TEPCV, pour certains lauréats TEPCV. On en avait déjà fait un petit peu en 2012, je crois, mais sur un programme spécifique avec un programme de développement de poêle à bois. Comment ça s'est passé? On a eu beaucoup d'obligés ou de délégataires qui nous ont contactés à ce moment-là, hein, chacun autant meilleurs les uns que les autres. Donc, on a dû faire un petit peu une étude de tout ce qu'ils pouvaient nous proposer. Donc, en gros, on regarde un petit peu la fiabilité de l'entreprise, les contrats qu'ils peuvent avoir avec les différents obligés. On peut regarder les délais de paiement, les interlocuteurs. Est-ce qu'on a un seul interlocuteur? Est-ce qu'on a plusieurs interlocuteurs. Le rapport aussi avec les communes, parce que nous, l'idée, c'était que la Comcom regroupe en fait à la fois les projets portés par la Comcom, mais aussi les projets portés par les 94 communes en termes de C2E. Ce qui est important de regarder aussi quand on choisit un prestataire, c'est avec le suivi des dossiers. Est-ce qu'ils font un petit peu attention aux différents dossiers qu'on leur confie? Est-ce qu'ils regardent, est-ce qu'ils font des rappels régulièrement s'il manque un point ou deux sur la facture pour éviter de perdre des dossiers en cours de route? Voilà, il y a pas mal de choses qui sont analysées avant de choisir un prestataire ou un délégataire avec qui on veut travailler ou un obligé directement. Nous, sur ce dispositif-là, on a choisi de travailler de deux façons différentes. On avait deux possibilités. On avait déjà un compte EMI parce qu'on avait déjà fait des C2E il y a un petit moment.
Donc, on a soit la possibilité de le déposer sur notre compte EMI et d'agir en tant que regroupeur auprès des autres communes, soit de déposer en fait avec via un AIF, de déposer les dossiers, que ce soit nos dossiers ou le dossier des communes, directement sur le compte du prestataire. Du coup, ça a un avantage en termes de. En fait, les dossiers peuvent être déposés au compte-gouttes et les validations par le pôle national des C2E sont un petit peu plus rapides. Voilà. Après, en interne, c'est un peu plus compliqué pour le suivi des dossiers parce que ça tombe un peu au compte-gouttes. Pour les C2E type CV, quand on a commencé, je pense que certains d'entre vous ont peut-être déjà bénéficié. Ils étaient très très bien valorisés et en fait on arrivait à toucher plus de 100% de la dépense éligible, c'est un truc un peu particulier. Donc nous on a reversé 80% aux communes et du coup ça nous a permis de nous faire un petit fonds de roulement de 100-150 000 euros pour financer justement pour continuer en fait par la suite et notre programme qu'on a actuellement d'aide aux communes. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on, quand les communes ont les travaux, on a un programme d'aide spécifique qui est dédié. En général, ça se calcule en euros du mètre carré installé, que ce soit pour l'isolation, que ce soit pour des menuiseries, etc. Et donc, nous, on donne ce financement-là aux communes et en contrepartie, on récupère les C2E. Pour notre compte. Ça, c'était l'idée initiale du projet et du dispositif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ça ne fonctionne pas forcément aussi bien qu'on le pensait, parce qu'en tant que petite collectivité, on a du mal à obtenir le volume minimum pour déposer des C2E sur notre compte. Et du coup, on est appelé à faire des dérogations annuelles. Ce qui peut être un petit peu plus compliqué et surtout au risque de perdre des dossiers au fur et à mesure. Parce que comme vous l'aviez dit avant, les dossiers sont valables un an et a priori ça risque d'être réduit à 6 mois, mais c'est ce que notre prestataire nous a dit, mais c'est pas encore d'actualité de ce que je suis au courant. Voilà. Et alors, peut-être sur le retour, sur la gestion des C2E en pratique, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, donc qui permet un financement non négligeable des projets. Hein. Seulement, c'est quelque chose qui est aussi très chronophage parce que les choses qui sont demandées dans les fiches spécifiques, changent assez régulièrement. Les artisans ne sont pas forcément au courant de tout ça, même si on a des petits récaps à leur donner, des informations qu'il faut mettre dans les devis et dans les factures. Donc, on arrive à faire 3, 4, 5, 10 allers-retours, des fois entre l'artisan et puis le prestataire pour que notre facture elle soit aux normes. Donc, autant dire qu'au bout d'un moment, l'artisan, il n'a plus envie de le faire. Donc, ça peut être un peu compliqué. Voilà. Ça, c'était jusqu'à aujourd'hui et du coup, on a décidé pour moi, me libérer un petit peu du temps parce qu'il y a d'autres dispositifs en cours et notamment le dispositif Octave qui va être présenté juste après la présentation. On a décidé de changer ce système-là avec notre prestataire et de passer par Octave. Parce que d'une, le tarif est plus intéressant que ce qu'on a actuellement et on n'arrive pas à négocier plus. Je pense que notre prestataire se garde une bonne marge de manœuvre entre ce qu'on a, ce que lui touche avec ses contrats et puis ce qui nous reverse. Et ça, on a du mal à le négocier. Et aussi parce que finalement, le poste de CEP, que je n'occupe pas moi, mais qu'occupe à peu près un mi-temps sur les crêtes de CEP qui est portée par l'Agence locale de l'énergie, a quelques difficultés financières à être financées, on va dire. Et du coup, ce que propose Octave est aussi intéressant dans ce sens-là, où
où il y a une certaine rémunération du CEP qui peut être fait là-dessus. Je m'étale pas parce que je crois que ça va être présenté juste après. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Si jamais vous avez des questions ou des points plus particuliers, n'hésitez pas à me demander. En tout cas, voilà, c'est un système qui n'est pas forcément évident à prendre en place au début, à mettre en place au début et à comprendre un peu le fonctionnement, mais qui peut rapporter quand même, et c'est une source de financement non négligeable à l'heure actuelle sur l'ensemble des projets qu'on peut avoir. Voilà, à votre dispo si vous voulez, si vous avez des questions. Merci en tout cas pour le témoignage. N'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'en ai une. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un contrat avec un délégataire ou un obligé. Mmh. Mais vous mettez quand même... En fait, vous contractualisez pour la vente, c'est ça? Alors, vous déposez quand même sur EMI, sur la plateforme, les C2E? C'est eux qui le font. C'est eux qui le font, d'accord. Dans le contrat, nous, on fait juste la relation entre les artisans et les communes pour la modification et pour tout ce qui est pièce justificative. Mais c'est eux qui font les dépôts, que ce soit sur notre compte ou sur leur compte. D'accord. Voilà. Okay. Parfait, merci. Tu vois une question? Oui, il n'y a pas de souci, je peux vous donner mon adresse mail si vous voulez échanger par la suite. Il n'y a pas de souci. Je vous la mettre dans le chat. Parfait. En tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir continuer. Rebecca, merci pour ton témoignage. Ça permet de rendre les choses plus concrètes, en tout cas. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un dispositif très simple à comprendre, mais on voit que ça peut profiter pour les collectivités et puis ça permet de financer les travaux de rénovation énergétique, notamment. Merci pour ce témoignage. Et n'hésitez pas à prendre contact avec Rebecca si vous avez des questions, ou en tout cas, voilà, il y a son adresse mail qui est dans le chat. Mathieu, est-ce que tu es avec nous? Vous m'entendez? Oui. Ouais, parfait, oui. Super. Et donc, je vais passer la parole à Mathieu Flau, qui travaille pour la SEM Octave, voilà, pour vous présenter le dispositif Octave Collectivité. Oui, alors je vais partager mon écran. Est-ce que ça apparaît? C'est bon? Pardon. Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà. Bien, bonjour à tous. Donc oui, Mathieu Flau, je suis directeur des opérations chez Octave. Et donc je vais vous présenter quelques diapos, l'offre de services qu'on met en place pour valoriser les certificats d'économie d'énergie pour les collectivités du Grand Est. Bon, avant, je vais quand même faire une petite présentation de qui on est et ce qu'on fait, le cœur de notre action. Donc Octave, c'est le service régional de rénovation performante de l'habitat qui a été créé à l'initiative de la région Grand Est et de l'ADEME en 2018. Donc on est... on fait suite à un programme, un dispositif public. Mais enfin, maintenant, on est créé, on est une société d'économie mixte, donc depuis 2018, capitalisée à hauteur de 3 millions d'euros, avec un actionnariat donc majoritairement public, comme toutes les SEM, composé donc de la région Grand Est et de collectivités du Grand Est qui vont entrer au capital. Voilà. Donc ça. Et on a une deuxième part, donc l'actionnariat privé. Donc, constitué de trois actionnaires, donc Procivis, qui est un acteur immobilier social du Grand Est, la Caisse des dépôts et consignations, donc Banque publique d'État, et la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Donc, comme nous, on est une société d'économie mixte, donc comme toutes les SEM, donc on a été créé par la région pour mettre en œuvre la politique de la région en matière de rénovation énergétique. Donc, on est là pour stimuler la rénovation énergétique performante de l'habitat dans le Grand Est en vue d'atteindre les objectifs du SRADET d'ici 2050. On poursuit une mission d'intérêt général aussi, comme toute société d'économie mixte, qui est l'asset rénovation énergétique performante.
On a le mandat qui nous est confié par notre conseil d'administration, c'est donc de nous positionner en accompagnement des politiques locales. Donc, on intervient pour le moment uniquement sur les territoires avec lesquels on met en place des partenariats et on déploie une offre de services qu'on adapte en fonction de ce qui existe sur le territoire. Donc, je peux rentrer rapidement après l'offre de service. Et enfin, on accompagne les professionnels. Quand je parle d'accompagnement, c'est de la mobilisation, de la formation et du référencement de la certification des professionnels du bâtiment pour aller un peu plus loin que la certification RGE nationale. Donc enfin, on bénéficie d'un soutien de la Commission européenne dans le cadre du programme ELENA et on est membre du réseau FER national. Donc notre offre principale, donc ce que je disais, on offre des prestations de tiers-financement pour la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'on couple un service technique avec un service administratif et financier pour les propriétaires de logements dans le Grand Est. Donc on est maître d'œuvre en rénovation énergétique, on a une assurance décennale pour ça, donc on est en mesure de faire la prescription de travaux, la consultation de planification de chantier, consultation d'entreprise, planification de chantier, suivi de travaux jusqu'à la réception, avec l'assurance qui nous permet justement de faire tout ce pilotage. Et donc ça c'est la partie technique, et en complément aussi, on offre un service administratif et financier, donc un service administratif sur tout le montage du projet, et aussi sur les aspects financiers, donc avec le montage du plan de financement de l'intégralité des dossiers de financement du propriétaire. On préfinance l'ensemble des aides financières et des avantages fiscaux dont peut bénéficier le propriétaire, donc ce qui est constitutif d'apport et ce qui permet de débloquer plus de fonds pour les propriétaires qui veulent faire de la rénovation. Et on a des partenariats bancaires avec notamment la Caisse d'épargne évidemment, mais aussi la Banque Populaire, et on est en discussion avec d'autres banques pour justement proposer des offres attractives pour les propriétaires qui s'engagent dans les travaux de rénovation énergétique ambitieux. Voilà. Et on accompagne à la fois évidemment les propriétaires privés, qu'ils soient occupants ou bailleurs. On commence à accompagner les copropriétés, et on est en mesure aussi d'accompagner les collectivités, les associations qui auraient des logements à rénover. Enfin, on propose un partenariat aux collectivités dans le cadre du SAR, puisqu'on est en mesure d'intervenir sur le niveau 4 des actes métiers qui sont mis en place dans le cadre du SAR. Et on peut valoriser le financement de l'Union européenne dont on bénéficie pour aller chercher justement la part SAR sur ces actes métiers. Donc on reviendra vers vous rapidement sur ce sujet, mais en tout cas, je suis tout à fait disposé à en discuter avec vous si ça vous intéresse. En termes de déploiement, donc on est présent sur, vous avez les tâches vertes, on est présent actuellement à 8 conseillers en poste sur les territoires, donc ils font vraiment l'accompagnement de projets, en maîtrise d'œuvre sur le parc résidentiel. On a un partenariat avec deux opérateurs locaux, donc la Maison de l'Habitat d'Épernay et la LEC du pays du Grand Nancy. Et on a plusieurs postes ouverts en recrutement actuellement. Et l'objectif, c'est d'avoir un déploiement d'ici mi-2021 sur l'intégralité de la région. Alors, on en vient au certificat d'économie d'énergie. Donc, Octave, c'est un acteur éligible du dispositif des C2E. On est une personne morale donc qui peut demander la délivrance de C2E, puisqu'on est une SEM de tiers financement qui travaille sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Actuellement, donc sur la partie résidentielle, donc on valorise les C2E de tous les travaux qu'on accompagne. Donc les propriétaires cèdent les C2E Octave une fois qu'ils font appel à nos services. Et en échange, donc on valorise ces C2E sous forme de prime pour les propriétaires. On est signataire de la charte coup de pouce et donc on peut aussi valoriser pour les propriétaires le changement de système de chauffage en remplacement de combustible fossile. La manière dont on fonctionne, en fait, pour pouvoir faire ça et assurer un montant de prime constant et sans nous mettre en difficulté, c'est qu'on a une contractualisation annuelle de rachat avec un obligé. Donc, tous les ans, en fin d'année, on relance un appel d'offres auprès des obligés pour leur indiquer que normalement, en année N plus 1, on a un potentiel de C2E
X gigawatt-heure QMAC qu'on voudrait leur revendre. Et quel est le montant de quel est le tarif de rachat qu'ils peuvent nous proposer, sachant que c'est un tarif fixe. On leur met plusieurs conditions, sans pénalité, ce genre de choses. Et donc c'est ce qui nous permet de proposer un montant de prime garanti aux propriétaires. Donc l'offre C2E pour les collectivités. On a été sollicité. Oui. Je me permets de te couper parce qu'on a deux questions qui sont hors CEE. Donc peut-être si tu veux y répondre avant de passer au C2E. Alors, attends, il faut que je trouve la question. Ah oui, voilà. Est-ce que vous proposez du tiers investissement dans le tiers financement? Non, on ne fait pas de tiers investissement. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons du prêt en direct. On le fait via nos partenaires bancaires, en tout cas pour le moment. Voilà. Ça, c'était un choix des actionnaires au départ. Donc, à la différence d'autres sociétés de tiers financement qui vont exister en France où eux investissent en direct, et enfin, sont organismes de prêt, en fait. Hein. Nous, on n'est pas, on rentre pas dans ce cadre-là. Par contre, on est un garant technique pour les banques de la qualité des projets qui sont financés. Donc là, la négociation qu'on mène avec les banques, c'est que une part des économies d'énergie qui sont générées permettent de débloquer plus de fonds pour financer des projets plus ambitieux. Donc indirectement, c'est que les économies d'énergie permettent de rembourser une partie des mensualités de prêts, ce qui revient du tiers investissement. Mais bon, on n'est pas à 100% jamais des économies d'énergie. Enfin, donc sur le déploiement sur les territoires non couverts actuellement, sur Terre de Lorraine, donc on est en discussion. Thomas Bailly était connecté, donc on est en discussion. Enfin, on est en contact du moins, on est en discussion. Et là, dans le cas du SAR, enfin, nous, on souhaite vraiment lancer des discussions pour avoir un déploiement sur tout le Grand Est. Parce que je pense que c'est vraiment, on peut apporter un service et du financement sur les actes 4, les actes métiers de niveau 4. Ouais. On reviendra rapidement, là, au courant du mois, je pense qu'on va revenir vers vous, notamment pour poser un webinaire de présentation de l'offre qu'on peut mettre en place, de mettre en place avec les collectivités, en partenariat avec les collectivités, pour avoir un service d'accompagnement complet des propriétaires, du premier contact à la réalisation des travaux. Je reprends pour les C2E. Donc, on a été sollicité par la région Grand Est qui souhaitait mettre en place un service de valorisation des certificats d'économie d'énergie pour les collectivités. Et donc, on en est venu à créer donc, cette prime Octave Collectivité qui marche exactement sur le même principe que ce qu'on fait pour les propriétaires de maisons individuelles. Donc, c'est simplement, au lieu d'être uniquement sur les fiches standardisées des bâtiments résidentiels, et ben maintenant, on est en mesure de valoriser aussi les travaux pour ce qui relève des bâtiments tertiaires ou des réseaux. Alors, je vais remettre. Voilà. Oui, donc la prime Octave Collectivité donc, qu'on met en place, donc, c'est uniquement pour les travaux sur le patrimoine des collectivités, enfin sur le patrimoine des collectivités, sur des travaux qui relèvent des fiches d'opérations standardisées. J'indique que ce n'est pas uniquement sur le patrimoine des collectivités, parce qu'on est en discussion avec certaines collectivités qui nous ont indiqué qu'elles voulaient mettre en place un service aussi pour les entreprises, par exemple, ou d'autres acteurs du territoire. Et c'est tout à fait possible, on peut intervenir aussi, on peut mettre en place cette prime, si la collectivité le souhaite, pour d'autres acteurs du territoire, ouais. Notamment des entreprises ou des associations. Alors, les offres services, on propose deux niveaux de services. Là, je vous ai mis à l'écran, vous avez les différents acteurs qui vont intervenir. Et je vais déployer le déroulé du service. Donc, on a Octave, donc, qui pilote ce service de prime Octave. Et donc, on est sollicité par une collectivité, un maître d'ouvrage de travaux. Donc, on met en place un contrat de prime Octave avec cette collectivité pour justifier notre rôle actif et incitatif. Donc dans ce contrat de prime Octave, on a défini, on a estimé un volume de C2E sur la base des devis ou des marchés, des marchés de travaux non encore signés qu'a réalisé le maître d'ouvrage, la collectivité. On a estimé donc ce volume de C2E, un montant de prime, et on contractualise avec la collectivité en lui indiquant que on va, sur la base des travaux indiqués dans le contrat, on pourra lui verser une prime de tant d'euros.
La collectivité en contrepartie s'engage à fournir exclusivement à Octave son dossier de preuve de travaux. Donc, dossier de preuve de travaux, c'est les devis signés, ce qui constitue un dossier de C2E, les devis, les factures et l'attestation sur l'honneur. Et puis, c'est principalement ces trois points-là, ces trois documents-là. Ensuite, Octave, alors sur la fourniture du dossier de preuve de travaux, Octave vient en appui de la collectivité aussi pour valider le contenu de ce dossier de preuve de travaux, c'est-à-dire qu'on va valider, faire les allers-retours avec la collectivité, voire avec les entreprises, pour avoir vérifier que les mentions dans les devis, dans les factures sont correctes, que les dates de signature sont correctes, que l'attestation sur l'honneur a été remplie en bonne et due forme, qu'elle est en original, qu'on a bien les bons matériaux qui sont utilisés, que ça respecte les critères des fiches standardisées. Donc, tout ça, on assure ce service de vérification. Une fois qu'on a validé que le dossier de preuve de travaux était complet et conforme, Octave réalise le dépôt auprès du PNC2E, donc du pôle national des C2E. Et là, le dépôt est réalisé en notre nom. Donc, c'est les C2E qui sont déposés seront crédités sur le compte émis d'Octave. Voilà. Ils ne seront pas crédités sur le compte émis de la collectivité, mais bien sur le compte émis d'Octave. Ces C2E, Octave les transfère ensuite à l'obligé avec lequel on a ce contrat de rachat annuel. L'obligé nous paie les C2E et ensuite on verse la prime Octave, donc en euros sonnant et trébuchant, à la collectivité maître d'ouvrage. Voilà. Sur la fréquence des dépôts, on réalise à minima un dépôt par trimestre. Quel que soit le volume de ces deux œufs, puisqu'on dépose en regroupement avec trois autres sociétés de tiers financement. Et donc, à tour de rôle, en fait, chacune des sociétés de tiers financement, qui sont ailleurs en France, c'est en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Hauts-de-France, prend le rôle de regroupeur. Et donc, on peut bénéficier de la dérogation de chacune des sociétés de tiers financement, une fois par an. Donc, ce qui permet de faire à minima 4 dépôts inférieurs à 50 gigas par an. Et si on voit qu'on atteint collectivement plus de 50 gigawatt-heure, on fait un dépôt, on peut faire des dépôts même plus fréquents. Donc ça, c'est la première offre de service. La deuxième offre, c'est on a une collectivité qui partenaire à qui Octave confie un mandat. Ce qu'on souhaiterait, ce que ce soit des collectivités type communauté de communes ou pays, et donc qui réalisent ce mandat, ce travail de collecte au niveau local des dossiers de preuve de travaux, c'est-à-dire qu'elles interviennent pour le compte d'Octave localement pour mettre en place des contrats de prime Octave donc auprès des collectivités, pour collecter et vérifier le dossier de preuve de travaux. Et donc Octave ne s'occupe plus que de la partie donc aval, le dépôt réalisé au PNC2E et ensuite le versement de la prime Octave à la collectivité. Ouais. Alors cette collectivité mandataire partenaire, ça peut aussi être une agence locale de l'énergie, parce que j'ai vu Rebecca avant en parler, là on est en discussion, en discussion avec eux. Donc, pour mettre en place un service au niveau de la communauté commune des Crêtes Péardonnaises, en lien avec l'agence locale de l'énergie aussi des Ardennes, qui interviendrait en tant que mandataire. Voilà. Donc, en résumé, on a deux offres de services, ou Octave. Dans tous les cas, c'est Octave qui a le rôle actif et incitatif, et les C2E sont déposés sur le compte d'Octave. Dans tous les cas, la seule différence, on va dire, c'est dans la ligne. Dans la deuxième colonne, la personne, enfin en tout cas la structure qui est en contact direct avec le maître d'ouvrage. Dans le premier cas, c'est Octave, donc on réalise la totalité du montage du dossier. Dans le deuxième cas, c'est une collectivité locale, partenaire, qui intervient pour le compte d'Octave localement. Et aussi la différence, c'est que dans le premier cas, actuellement, on n'est pas staffé, on ne peut pas accompagner plus de maîtres d'ouvrage que les collectivités et les associations. En tout cas, quand on le fait en direct. Si on a une collectivité partenaire et qu'elle souhaite mettre en place un service aussi à destination des entreprises ou d'autres acteurs locaux, là, elle peut le faire, puisque c'est elle qui réalise le montage des dossiers, en tout cas, et le lien avec les acteurs locaux. Alors, en termes de rémunération, nous, on propose, lorsqu'on intervient dans le cadre de l'offre de service numéro 1, dans tous les cas, au maître d'ouvrage plutôt, on propose une prime
on propose de valoriser les CE2 de travaux à toi de 6,50 € le mégawatt-heure QMAC. Voilà. Donc ça, c'est la collectivité ou la structure qui réalise des travaux sur son patrimoine. Donc là, Octave valorise ses travaux 6,50 € le mégawatt-heure QMAC. Dans le cas où on a une collectivité partenaire, il y a une rémunération qui est versée à cette collectivité, qui sera d'un euro, enfin un acteur partenaire en tout cas qui a un mandat. Donc la collectivité maître d'ouvrage perçoit toujours 6,50 € par mégawatt-heure QMAC pour la valorisation des CE2E liés à l'opération d'économie d'énergie qu'elle a réalisée sur son patrimoine. Et la collectivité partenaire, enfin, la structure qui a le mandat pour monter les dossiers pour le compte d'Octave, est rémunérée 1 euro par mégawatt-heure QMAC. Voilà. Donc dans ce cadre-là, la collectivité, enfin, le partenaire qui a le mandat, donc assure le montage des dossiers de preuves de travaux et utilise un outil informatique qu'on met à disposition par Octave, enfin qui est mis à disposition par Octave, pardon. Donc c'est l'énergie, c'est un outil qui permet de gérer les dossiers de CE2E, de la simulation à la finalisation du dossier de preuve de travaux. Donc dans ce cas-là, on met une convention de partenariat en place entre la collectivité partenaire et Octave, et on a toujours un contrat de prime Octave entre Octave et le maître d'ouvrage, puisqu'on doit quand même, c'est Octave qui va déposer en son nom, donc c'est Octave qui doit justifier du rôle actif incitatif dans le cadre de l'opération d'énergie qui est menée. Alors ces montants, les montants que j'indique là, ce sont des montants pour des travaux validés en 2020, réalisés avant fin juin 2021. Alors j'ai mis fin juin 2021, en tout cas c'est des travaux pour lesquels les dossiers doivent être finalisés, déposés avant fin 2021. Puisque c'est le contrat de rachat qu'on a avec l'obligé nous indique que le montant auquel il nous rachète actuellement, c'est uniquement pour des dossiers qui seront déposés avant fin 2021. Donc sachant qu'il y a un temps de traitement, il y a un temps de montage du dossier plus un temps de traitement des dossiers derrière OpenC2E, on est sur ce montant pour 2020. Et on va renégocier donc fin 2020 un nouveau montant. Un nouveau contrat de rachat avec un obligé, et donc à partir de 2021, il y aura une évolution du montant, de la rémunération des C2E. Donc comme le cours est relativement stable et les échanges qu'on a avec les obligés, on pense qu'on devrait rester dans les mêmes, à peu près au même montant. Alors, une dernière diapo, juste pour montrer un exemple de ce que ça représente cette prime pour une opération. Donc là, c'est une rénovation BBC d'une mairie à Rhin. Donc c'est un bâtiment qui a fait l'objet d'une aide Climaction de la région. Donc c'est une mairie d'environ 500 m² chauffée, donc qui a fait l'isolation des murs, l'isolation du plafond, enfin en tout cas de la dalle haute, de la toiture terrasse, du plancher bas, changé les fenêtres. Ils ont mis en place une chaudière gaz condensation et installé une ventilation simple flux. Donc il y a eu 3,6 gigawattheures QMAC de CE2E pour cette opération. Donc la prime pour le bénéficiaire dans ce cadre, donc pour la mairie de Rhin, aurait été de 23 600 € à peu près. Et si on avait une collectivité partenaire locale qui avait monté le dossier pour le compte d'Octave, cette collectivité aurait été rémunérée 3 630 € pour ce dossier. Voilà, j'en ai fini, j'ai juste deux diapos après, mais ça je ne vais pas passer là-dessus. Enfin, j'avais rajouté ça la fois dernière quand on avait envoyé le diaporama en fin de webinaire, plus pour information. Je ne vais pas m'attarder sur ces deux diapos. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Vous avez mes coordonnées là à l'écran, dans tous les cas. J'espère avoir été clair, mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, vous ne versez pas la prime à l'avance. Non, on verse la prime. On va verser la prime en gros une fois qu'on a le dépôt. On verse au trim. Enfin,
On va verser la prime une fois qu'on a les C2E crédités sur notre compte. Voilà. Parce qu'en termes de trésorerie, on ne peut simplement pas verser la prime à l'avance. Ce n'est pas possible. Il y aurait trop d'argent dehors. Voilà. Ce serait trop risqué. Donc là, on est sur des délais. Comme on fait des dépôts trimestriels, on espère faire des dépôts plus fréquents. De toute façon, plus on gère un volume de C2E important, plus on sera en mesure de faire des dépôts régulièrement. Plus le temps de. Enfin, en tout cas, le délai de versement de la prime sera réduit. Mais là, à minima, enfin, on va dire dans le pire des cas, une collectivité, on va dire, qui nous fournit un dossier complet alors qu'on vient de faire un dépôt, malheureusement, bah, elle va devoir attendre 3 mois avant qu'on fasse le dépôt suivant, en moyenne. On a généralement 1 mois de traitement des dossiers par le PNC2E une fois que le dépôt a été validé. Donc, sous 4 mois, elle pourra verser, elle touchera 4 à 5 mois, elle touche la prime. Ou plus tard 5 mois. Voilà, vraiment plus tard 5 mois. Parfait, merci Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'offre d'Octave sur la valorisation des C2E? N'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez poser une question sur cette thématique ou même sur une autre thématique qu'on a abordée pendant le webinaire. Le webinaire touchant à sa fin, c'est le moment. Plus de questions. Non, plus de questions. Je pense que tu as été très clair, Mathieu. Bah, écoute, ça doit parfait. Être ça. En tout cas. C'est ça. Et sinon, par rapport au support de présentation, il y a un lien qui est dans le chat à 11h14. J'ai mis le lien. Vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez directement sur l'intradem, sur la page où il y a les différents supports de présentation utilisés aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas de compte intradem, n'hésitez pas à laisser votre adresse email. Il y en a déjà plusieurs d'entre vous qui l'ont fait. Voilà. On vous enverra le tout par email. Sinon, bah, je vous remercie tous pour votre participation. Merci également aux différents animateurs du webinaire. Merci pour les apports que vous avez pu faire pour ce webinaire. Et puis, bah, je pense que ce ne sera pas le dernier webinaire sur les C2E. Ce sera peut-être